Je me suis installé en 1999 sur un atelier Poulet Label Liberté et un atelier de tabac. En 2003, j'ai repris le cheptel de blonde d'Aquitaine de mes parents qui arrivaient à la retraite. Et j'ai maintenu le troupeau au même niveau, c'est-à-dire 40 mères adultes. Comme mon père le faisait depuis toujours, j'ai continué la pesée avec bovin croissance. Et ça me permet de voir la capacité laitière et le niveau génétique des parents. Et c'est important pour moi de le savoir. Aujourd'hui, mon objectif technique, c'est un veau par vache et par an. Et c'est vrai que je n'en suis pas très très loin. Au niveau économique, mon objectif est... je trouve que je vis plutôt pas trop mal, mais on peut toujours s'améliorer et c'est ce que je recherche. Ce que j'aime dans l'élevage bovin, et en particulier blonde d'Aquitaine, c'est ce que... On est toujours en phase d'apprentissage, il faut réagir chaque jour et se creuser la tête pour essayer d'augmenter l'efficience du troupeau. J'aime bien la race blonde d'Aquitaine et en plus je trouve qu'elle a un joli look, elle a un fort développement et ça permet à l'éleveur et au boucher de la valoriser en bœuf de chalosse. Je fais veller mes génisses toutes une fois et ensuite je fais le tri après le vellage. Une partie part pour l'engraissement sous le label bœuf de chalosse. L'autre partie part pour le troupeau de reproducteurs sur lequel je pratique la monte naturelle à 80% et l'insémination artificielle. Au niveau du choix de mes taureaux pour la reproduction, je vais à Casteljaloux, à la station raciale. C'est sous forme de vente aux enchères et ça me permet de trouver des taureaux de très bonne qualité. L'avantage du taureau, c'est qu'il permet de faire le travail de surveillance à ma place. Ça me permet de me libérer du temps pour les travaux ou d'autres activités. Et c'est vrai que pour la qualité de vie, c'est toujours un plus. D'autant plus que je suis tout seul à travailler sur l'exploitation, même si mes parents me donnent un coup de main. Les animaux sortent du 1er avril à fin octobre en fonction de la pluie. J'ai une superficie de prairie qui est un peu faible pour le troupeau et donc j'ensile du maïs pour la période hivernale. J'enrubanne les couverts hivernaux pour les distribuer en période où les prairies sont moins productives. Lorsque j'ai appris que je recevais le sabot d'or national pour la race blonde d'Aquitaine, j'étais très surpris, très heureux et ça récompense un travail de longue haleine sur plusieurs années. Je souhaite à tous mes collègues landais de recevoir le même prix national.